Tenez votre tunique. Monsieur, ces gradés, ils aiment le tape à l'œil. Patrouille en vue ! Feu ! Feu de couverture ! Feu de couverture ! Feu de couverture ! Vite, dépêchez-vous. Veuillez recouvrir cet homme. Capitaine. Commandant, le général Alexander veut vous voir immédiatement. Que se passe-t-il? J'en sais rien. Ça m'a l'air important. Garde à vous! Messieurs? Général? Colonel? Messieurs, trois divisions. Deux américaines, une française. Nous allons attaquer dans le secteur de l'Argonne. Les ordres concernant la 77e division sont d'aller sur place et de nettoyer la forêt d'Argonne. Commandant Whittlesey. Monsieur. Votre bataillon devra prendre et conserver le moulin de Charlevoix. Général Alexander, permettez que je donne mon avis. Commandant. J'ai perdu une section ce matin juste en repérant les lieux. Il faut s'habituer à un taux de perte acceptable, commandant. Colonel. Les rapports de l'artillerie, monsieur. Un taux de perte acceptable, général? C'est un suicide d'attaquer l'Argonne en force sans aucune préparation. Pourquoi le reste de mes officiers ne pensent-ils pas comme vous? Vous avez étudié la stratégie et l'art de la guerre en faculté de droit. Général, il nous faut du temps pour le ravitaillement. On n'a quasiment plus de vivres, de munitions et de médicaments. La faute à qui? Je suis parfaitement conscient de vos opinions politiques, commandant. Votre cœur ne pencherait-il pas pour la politique non-interventionniste du président Wilson? Un mouvement qui a très mal préparé notre pays pour cette guerre. Avez-vous autre chose que vous auriez oublié de dire? Je conduirai mon bataillon jusqu'en Argonne. Mais je doute que vous me renvoyiez, moi ou mes hommes. Nous allons bien voir ce qu'il vaut vraiment sur le terrain, notre avocat new-yorkais. Capitaine, vérifiez nos remplaçants. Nous allons avoir besoin de tous nos hommes. Oui, je sais. Les pauvres pigeons sont même pas capables de faire le tour du pâté de maison. Pour nos courageux jeunes gens, compliments de l'association des dames d'Adubonne, Hampshire, Angleterre. Hé, hey, on va te renvoyer chez toi, mon pote. Je suis sûr que t'es l'avorton de la portée, hein? T'en fais pas, cher ami. Tout se passera bien. Lieutenant Lake? Oui, monsieur. Je suis le capitaine McMurtry,
Bienvenue au 308. Capitaine, à mon avis, il y a une erreur. Normalement, j'aurais dû être affecté dans une unité du Texas. Ces gars sont de New York. Je ne comprends pas un traître mot de ce qu'ils racontent. Ce ne sera pas à vous de les comprendre, lieutenant. Mais à eux de vous comprendre. Maintenant, vous allez faire l'appel et les faire monter dans ce camion. Ethan, Ethanasikos. Yader. Yader. Yoder. Le pasti. Les pasti. Ah, Grodyshi. Grodyshinsky. Hey, les gars de New York appellent tout le monde mon pote. Pourquoi? T'es pas de la ville? De Big Fork, Montana. Jamais entendu parler. Je savais pas qu'il y avait des cueilleurs de pommes dans cette compagnie. Qu'est-ce que ça veut dire? Hey, garde ton énergie pour les cheveux. Il n'a pas l'air très fin. Qu'est-ce qu'il dit, là? Bah, il a dit que tu voulais peut-être te payer un pont. Quel pont? Le pont de Brooklyn, la bonne blague, y'en a pas d'autre. Qu'est-ce que c'est que cette armée? On vient jusqu'en France et ils trouvent le moyen de nous coller des pecnots de trifouille, les oies. Hey! Oh, mon Dieu. Les gaz. Ralenti. Et Rosen, c'est Peglia. Allez monter, on déménage d'ici. Pas nous, sergent. Ces gars nous emmènent chez le général. Le commandant a besoin de tout le monde sur le front, à commencer par vous deux. Warden. On les a chopés alors qu'ils se faufilaient dans un bordel. Et on les a épouillés. Ils vont sentir la marée rose quand ils seront dans les tranchées. Qu'est-ce qu'on fait, sergent? On va participer à un défilé, à Paris. N'oubliez pas d'accrocher vos médailles. Tâchez de vous trouver chacun un trou ou crèche et ensuite attendez les ordres. Hey, ici, c'est l'endroit le plus exposé. Écoutez-moi bien. Les Allemands n'attaquent jamais la nuit, d'accord? Le plus qu'ils puissent faire, c'est nous envoyer un groupe d'attaque ou quelques patrouilles. Et ça, ça me regarde. Essayez de vous reposer et de vous faire chaud. Dès demain, je vous rencarderai. Toi, tu me laisses passer. Ben, c'est pas si mal, hein. La seule chose à faire, c'est de baisser la tête. On a de la chance. Merci. Les nouveaux sont installés? Ouais. Le mot nouveau leur va très bien. Et le plan du général Alexander, qu'en pensez-vous? Je suis militaire de carrière. Je peux donc m'offrir le luxe de ne pas penser. Je vous interdis de parler comme ça, capitaine. Je veux que vous vous concentriez pour que l'on trouve le moyen de prendre le moulin en faisant le moins de casse possible. Je vais aller voir du côté des remplaçants. Sergent, monsieur. Lieutenant. Bonjour, monsieur. On ne salue pas ici, lieutenant. Excusez-moi. Mes officiers et mes hommes se rasent tous les jours. Excusez-moi, monsieur. Arrêtez de vous excuser sans arrêt. On est arrivé un peu tard hier soir et... Est-ce que c'est une excuse ou une explication? D'ailleurs, ça m'est égal. Je veux que vous vous placiez en carré, que les hommes aient bien leur ration et beaucoup de munitions. Et aussi que vous portiez correctement cet uniforme. Mettez des chaussettes si vous en avez et redressez votre casque. Lieutenant Leek, bienvenue au 308. Ça... C'est un chocho français. Chocha. C'est une arme de merde, laissez tomber cette merde. Laissez à Edgeman et à Hollingshead. Vous inquiétez pas pour les mortiers, les tanks et l'artillerie. Parce qu'on en a pas. On nous a baptisé les marches ou crèves. Et aussi les pousses graviers. Infanterie. Oh mon Dieu! Ça, c'est qu'un aperçu de ce que les Boches sont capables de faire. L'artillerie allemande. Ce qui m'amène au sujet suivant. Il y a deux cas de figure. Le premier, on tire de chez nous. Le deuxième, ils tirent de chez eux. Nous, les marches ou crèves, il faut qu'on sache faire la différence. Si vous entendez un truc qui siffle et qui frappe, ça vous envoie au cimetière. Alors il faut se coucher.
Parfois, la bombe s'ennuie seule, alors elle amène de la compagnie Mini Warfer. Minen Warfer. Mini Warfer, c'est comme une de ces vendeuses de maïs à la voix gênante sur la 10e avenue. Ça ressemble plus à un bouchon de champagne qui saute. Le hic, c'est qu'on a du mal à savoir ce que c'est. Quand vous entendez ce genre de bruit, vous vous couchez par terre. Et vous vous posez pas de questions. Parce qu'il y a toute une panoplie d'autres bombes, celles qui vous filent la chair de poule. Les boîtes de conserve piégées, les bombes des avions et les mitrailleuses. Sans oublier bien sûr les grenades à manches. Surtout, vous bilez pas pour ça, parce qu'elles vous tombent dessus de toute façon. Quand vous vous retrouvez face à face avec un salopard de marche ou crève allemand, et qu'il a un truc comme ça au bout de son fusil, il faut l'éventrer tout de suite. Sinon, c'est lui qui vous éventrera. Et ça, il faut vous en préoccuper. Enfin, t'es pas bien, t'as pas le droit de couper, ça fait deux fois que tu joues un as. Mais suis un peu la porte. Mais non. Est-ce qu'il a dit qu'il fallait se coucher par terre quand ça fait un bruit de train? Ou que c'était encore un truc difficile à deviner? Est-ce qu'on doit se coucher quand ça fait un bruit de bouilloire à thé? Personne n'a jamais parlé de bouilloire à thé. Je bois pas de thé. Je sais même pas le bruit que ça fait. La ferme. Monsieur. Allez voir le lieutenant Leek. Oui, tout de suite. Vous devriez dormir, commandant. Oui, plus tard. Capitaine, vous vous souvenez de notre discussion de tout à l'heure? Alors, bonne chance. Lieutenant. Capitaine. Le commandant vous est rentré dans le chou ce matin. Comme un fer à marquer. Il est de West Point. C'est un avocat de New York. Je l'aurais jamais cru. Non, je me suis fait avoir aussi. Ben finalement, on peut dire qu'on a de la chance, c'est vrai. Ça aurait été trop bête de faire ce chemin jusqu'en France sans rien avoir à raconter à nos enfants et à nos petits-enfants. Alors demain, quand vous serez au sommet, vous choisirez un point devant vous et vous irez jusqu'à cet endroit. Ne vous tracassez pas pour les autres. Ce sont de bons soldats, ils vous suivront. Alors vous ferez 900 mètres. Et encore 900 plus. 900 mètres? 900 mètres à chaque fois, c'est parfaitement faisable, je vous assure. Et les Allemands? Les gars savent ce qu'il faut faire avec eux. Vous comprendrez très vite ce qui se passe. Mes hommes n'ont jamais été sur le front de leur vie. Oui, c'est pas un hasard si on les a choisis. Vous n'avez jamais été sur le terrain? Non, pas comme celui-là. C'est pour ça que vous allez mener les troupes. Voyez, vous allez y arriver bien avant eux. Vous serez celui qui aura le plus d'expérience et vous leur donnerez des ordres. Oui, j'y arriverai. J'y arriverai. Vous allez vous débrouiller. Baïonnette au canon! 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 Baïonnette au canon!
Pourquoi vos troupes n'avancent-elles pas, colonel ? Général, nous sommes en contact avec l'ennemi sur tout le long du front. Et la plupart de mes commandants veulent être couverts sur leur flanc. Ils doivent faire face à une résistance farouche. Vous ! Veuillez noter. Écrivez. La moindre parcelle de terrain gagnée ne pourra en aucun cas être abandonnée sans l'ordre express du quartier général de la division. Nous ne reculerons pas. Nous avancerons ! Je veux que vous contourniez ces mitrailleuses et que vous les finissiez. Compris. Suivez-moi, on y va! Vous deux, allez hop! Il voit le cow-boy, il sait ce qu'il fait. Tu crois ? C'est un pecno, il a vécu dans les arbres, tu savais pas ? Y en a pas chez toi ? Il y a des arbres à Union Square. Mais ça compte pas. Allez, on y va ! Tenez cette position. Vous, redescendez et dites au lieutenant Leek de nous rejoindre avec la section. Oui, monsieur. Zwei amerikanische und eine unberittene französische Kürassierdivision greifen an diesen drei Punkten an. Die Franzosen, wie zu erwarten, gehen mit Methode vor. Die Amerikaner dagegen wild und ohne Rücksicht auf eigene Verluste. Unser Reservekorps ist auf dem Weg zur Front. Innerhalb der nächsten zwei Stunden müssten wir Stellung bezogen haben. Wie schätzen Sie die Lage ein? Aus den Erfahrungen von Château Thierry und Bellowood wissen wir, dass diese Amerikaner sehr schwer einzuschätzen sind. Sie ziehen sich nie dann zurück, wenn sie sollen. Wie rücksichtslos von Ihnen, Major. Die Amerikaner werden sich nicht freiwillig aus der Argonne zurückziehen. Wir müssen sie da rausjagen. Capitaine, Lieutenant, tenez-vous prêt à contre-attaquer.
Il faut tenir cette position. Oui, capitaine. Vous vous appelez comment ? Deuxième classe Lipasti, monsieur. Où avez-vous appris à courir comme ça ? C'est parce que je devais prendre un raccourci pour traverser le quartier irlandais pour éviter vos satanés compatriotes d'Irlandais, monsieur. Je suis bien content qu'aucun de mes cousins vous ait assommé avec une brique. Allez, venez avec moi. Vous serez mon estafette. Oui, monsieur. Whitlesey a subi de lourdes pertes. Il faut qu'il se replie et qu'il se regroupe. Whitlesey, ici le général Alexander. Pourquoi vous n'attaquez pas ? Nous sommes isolés. Nous n'avons aucun soutien sur les flancs, général. C'est parce que les Français et nos flancs vous précèdent. Vous êtes en train de ralentir l'attaque, commandant. Faites avancer vos hommes. Êtes-vous sûr qu'ils sont sur nos flancs, général ? Nom de Dieu, je vous ai donné un ordre sans appel pour atteindre votre objectif. Peu importe les pertes. Il faut que l'on prenne ce terrain. Monsieur, les Français ne précèdent pas Whitlesey. Ils ont été interceptés sur la ligne Gisèle-Stella. Nous avons besoin de lui pour soutenir le milieu de notre offensive jusqu'à ce que nos flancs puissent les rejoindre. Sversky, monsieur, veuillez recouvrir ces dépouilles. Ne les laissez plus jamais comme ça à l'avenir. Oui, monsieur. Il nous faudrait des médicaments, monsieur. Ça va, ça va. La carte. Capitaine ? Je vais bien. J'ai parlé au général Alexander. Il a dit que les Français nous devanceraient sur notre flanc gauche. Le reste de notre division est quelque part sur notre droite. Nous avons reçu l'ordre de prendre le moulin de Charlevoix. Le sergent Gedecky pense qu'il a trouvé une brèche qui nous permettrait de passer les défenses allemandes. Bien, ça vaut le coup d'essayer. Soldat Chin ! Nous n'avons pas assez de fil pour atteindre notre objectif, alors je voudrais que vous m'installiez un poste émetteur discret. Je vous enverrai des estafettes pour communiquer avec vous. Restez en ligne. Dites-leur qu'on avance et qu'on a besoin de ravitaillement, de munitions, d'eau et de médicaments pour les blessés. Oui, monsieur. Je monte avec le premier groupe. Je vous donnerai le signal quand la voie sera libre. À vos ordres. Au capitaine McMurtry de me rejoindre avec les autres. On l'attend ici. Allez, les gars, venez. Les pastilles ! Je te cherchais. Tu m'as trouvé. T'en aurais pas une pour moi ? J'ai un message du commandant. Laisse tomber, la ligne est coupée. J'ai envoyé trois gars, il y en a pas un qui est revenu. J'ai entendu exploser des grenades et des coups de fusil. Je pense que les Boches sont juste derrière nous. T'as pigé ? Ouais. Comment ça se passe là-haut ? Un jeu d'enfant. On a un orchestre avec des trompettes et des belles nanas qui dansent. Tu saurais pas quoi en faire. J'apprends très vite. Tu veux que je t'aide à le ramener ? Je suis à mon poste. Je dois y rester. Prends ces deux-là. Une seule, c'est pas bon. Merci. Oui, toi aussi. Bonne chance. Êtes-vous certain que les Français sont en train de se replier ? Une partie de leurs unités est déjà de retour dans leurs tranchées. Sans les Français sur notre flanc, il va falloir se replier. Je serai dans mes quartiers.
Ordre à toutes les unités de se replier sur nos lignes. Des contacts avec Whitlesey? Les lignes sont coupées. Continuez d'appeler. Je veux savoir où son bataillon se trouve. Oui, monsieur. Commandant, la ligne du soldat Chin a été coupée. Il essaie de la réparer. Soldat Richard! Il en reste combien? 4, monsieur. Envoyez ce message. Non, pas toi, cher ami. Tu restes avec moi. Ne vous en faites pas, monsieur. C'est un brave pigeon voyageur britannique. Il va leur dire où on est. Hé! Hey. Das 254. Hessische Reserveregiment berichtet von ständigen Gefechten mit einer amerikanischen Truppe von unbekannter Stärke. Wo? An der Charlevoix-Mühle. Versuchen Sie, sich zurückzuziehen. Nein, Sie graben sich ein. Das ist Wahnsinn. Wenn die da bleiben, können wir sie umzingeln. Jetzt, wo die Franzosen und die Amerikaner bereits aufgehalten wurden. Herr General? Was? Ich habe 7 Jahre in Amerika gelebt. Die Amerikaner halten sich für unschlagbar. Wir müssen diese Einheit zerstören, bevor ihre Kameraden nach ihnen suchen. Schicken Sie die Infanteriereserve nach Charlevoix. Heute Nacht, Major Prinz. Ich möchte wissen, ob es Dummheit oder Tapferkeit ist, was diese Amerikaner antreibt. Du calme, mon garçon. Te voilà chez toi, maintenant. Général, le commandant Whitlesey se trouve dans le secteur du moulin de Charlevoix. Impossible. Il voudrait savoir où se trouve le reste de notre division et où sont les Français. Il a l'intention de tenir comme on lui en a donné l'ordre. Il semblerait que les seuls à avoir accompli leur mission aujourd'hui soient Whitlesey et ses gars de New York. Et à cause de ça, ils se retrouvent tous bloqués au milieu de l'armée allemande. Pas mal pour un avocat new-yorkais. Il paraît que les Boches devaient amener une camionnette dans les 15 jours. Maintenant, ils vont essayer de nous attaquer par derrière. On ne peut pas les laisser faire. Est-ce que vous êtes arrivé à prendre contact avec un des deux flancs? Non. Pas encore. Il nous faut du ravitaillement. Il n'y a plus rien à manger, ni à boire. Ils ramassent les cartouches sur les dépouilles des cadavres. Assurez-vous que les morts soient couverts. Envoyez plusieurs estafettes au cas où le pigeon ne serait pas arrivé. 3 hommes, 3 itinéraires différents. Chin! Chin! Je suis désolé. Où étiez-vous passé, les gars? Grand Dieu, vous venez d'où? Whitlesey 308. Vous êtes les fameux renforts? Non, on est la compagnie K307. On essaye de ficher le camp d'ici. On a les Boches aux fesses. N'allez pas par là, il y en a partout. Mais d'où venez-vous, bon Dieu? Je vous l'ai dit, du 308. Non, je veux dire, vous êtes où exactement? Là où on nous a demandé d'être. Pas comme vous qui traînassez sans savoir ce que vous allez pouvoir inventer comme mauvais coup. On nous a dit de prendre le moulin. Alors le commandant l'a pris en attendant une riposte allemande demain. Bien, félicitations, deuxième classe. Je commence à en avoir assez de jouer à cache-cache avec ces maudits Allemands. Parfait. Vous serez notre avant-garde. À vous l'honneur. Commandant, leur attaque sera violente et disciplinée. Ils vont attendre que le brouillard ait disparu. Ils n'aiment pas se déplacer sans visibilité.
au château du Déhab. Ils ont nourri leurs hommes dans le noir. Et ils nous ont attaqués pendant la pause du petit déjeuner. Il ne faut pas vous inquiéter pour ça, monsieur. Mes hommes doivent se contenter de sucer des clous. Ils n'ont pas de café. Vous avez raison, lieutenant. C'est une très bonne idée. Monsieur ? Allumez vos feux pour la cuisine. Trouvez des grains de café et brûlez-les. Je veux que les Allemands pensent que l'on déjeune et que nous ne sommes pas prêts. Oui, monsieur. Très bien. J'ai entendu dire que les Schleu avaient des centres de repos. Oui, avec des bowling, des restaurants et des lits avec des draps. C'est pas pour nous, c'est pour les officiers. Ils n'ont pas de gars comme nous. T'en sais rien, dis donc pas de bêtises. Eh, je sais parfaitement ce que je dis. Alors, qui est-ce qui se bat pendant que ces messieurs jouent au bowling, se reposent ou mangent dans des restaurants? Décidément, les juifs de Canal Street, vous vous lamentez sans arrêt. Alors que nous, on est toujours optimistes. Y a pas de quoi être optimiste quand on habite Brooklyn. Je persiste à dire que vous avez les mêmes chances que les autres. Tu crois ça? On voit que t'y as jamais vécu. Ne me raconte pas d'histoire. De toute façon, vous n'êtes jamais content. Dis pas le contraire. Qu'est-ce que tu peux être rabat-joie, hein? N'en parlons plus. Jamais je t'enverrai des clients pour acheter un costume, Rosen. Tu seras obligé de coudre des boutons toute ta vie. Hé, si j'ai la chance de revenir de l'enfer. T'entends. Soldatine. Soldatine. Rien. Repoussez la culasse. Maintenant, vous êtes prêts à tirer. Restez en position, soldat Yoder. Krotoshinsky contrôle la situation. Oui, commandant. Devant la zone médicale. Et ne les laissez pas contourner nos lignes. Messieurs! Revenez! On se replie tous ensemble! Jean, réponds! Jean, je t'en prie, réponds! Est-ce que tu m'entends? Monsieur, ils ont percé notre gauche. Ils sont en train d'aller sur le front du capitaine McMurphy. Ils vont nous écrabouiller. Chaque troisième homme et allez seconder le capitaine McMurtry. Allez-y! Dites au lieutenant Schenk de tenir bon. Couchez-vous! Repliez-vous!
Dieu soit loué. Bon Dieu, avancez! Avancez! En avant! C'est parti! Remontez sur la gauche! En avant tous! À l'attaque! On y va! Par ici! Allez! Allez les gars! En avant! On y va! Allez! Ça va, deuxième classe? Capitaine Nelson Holdermann. Commandant Charles Whitlesey. Monsieur, désolé de vous dire ça, mais nous ne sommes pas une force de secours. Nous étions en train de regagner nos lignes alors que les Allemands étaient derrière nous. Vous ne pouviez pas choisir un meilleur moment, capitaine. J'en ai l'impression, monsieur. Mais, monsieur, j'ai moins de 80 hommes dans ma compagnie, et si vous voulez mon avis, les Allemands n'apprécient pas du tout notre présence ici. Il faudra bien qu'ils s'y fassent. Oui, monsieur. J'y vais. Non. Les blessés ont besoin d'eau, ils ne pourront pas attendre jusqu'à ce soir. Sergent Gedecki, postez un garde ici. Et tirez sur tous ceux qui s'aviseraient d'aller à la mare avant qu'on ait eu ce tueur embusqué. Oui, monsieur. Nous sommes ici. Là, c'est le front allemand. Le reste de notre division se trouve quelque part sur la crête, sur notre flanc droit. Le général Alexander a dit que les Français étaient sur notre flanc gauche. Lieutenant Schenk, je veux que vous emmeniez le sergent Gedecki avec une section au complet et rejoignez les Français. Vous avez des questions? Non, monsieur. Exécution. Pourquoi on a un fusil français? On est américain. On devrait avoir des armes américaines. T'es pas américain, Krotoschinski? Bien sûr que si. J'ai fait le test. Quel test? Celui qu'on vous fait passer à Ellis Island. Tu l'as jamais passé? J'ai pas été obligé de le passer, je suis beau gosse. Puis c'est pas ça qui fait de toi un Américain, ça fait de toi un civil de plus qu'ils ont pu enrôler pour l'envoyer au casse-pipe. Hé! Hey. Hey, je suis là parce que je suis Américain. T'es Polak. Y a qu'en Amérique que je suis un Polak. En Pologne, je suis un Juif qui vit dans le Stettel et qui fabrique des bottes pour la cavalerie allemande. J'ai passé le test, les pastilles. Et tu sais ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que je pouvais être ce que je voulais. T'avises pas de me dire que je suis pas un Américain. J'ai passé le test. Où est le reste de la section? On a été pris dans une embuscade. Le général Alexander a dit que les Français étaient sur notre flanc gauche. Ils n'y étaient pas. Ils n'y ont jamais été. On est encerclés, commandant Whitlesey. Et les hommes le savent. Si on tient bon, ils tiendront bon. À votre avis, pourquoi les Allemands veulent à tout prix nous faire déguerpir d'ici? Parce que d'où on est une menace pour toutes les lignes allemandes. Ce qui n'est pas acceptable pour eux, n'est-ce pas? Non. Non. Alors tout est réglé. On nous a ordonné de tenir. On reste ici.
Colonel Johnson, à propos de ce bataillon perdu. Le commandant Whitlesey n'est pas perdu. Nous savons où il se trouve, seulement on ne peut pas le joindre. La faute à qui? La faute à personne. La guerre est ainsi faite. Ça a toujours été comme ça et ça ne changera pas. Un message du commandant Whitlesey. Ils ont repoussé plusieurs attaques allemandes. Et ils en attendent une autre dans la matinée. Il est encerclé. Mais il dit qu'il va essayer de tenir jusqu'à ce qu'on vienne le relever. Ça va, ça va. Tu sais, j'ai une petite idée de l'endroit où le tireur embusqué se cache. Ah bon? Il suffirait qu'il sorte un peu sa tête. Je crois que je pourrais l'avoir. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il sorte sa tête? Qu'il ait une cible. Messieurs? Commandant. On a du mal à avoir ce tireur embusqué, il est très fort, mais on a un plan. Aller chercher de l'eau pour les blessés. C'est bon. Tire, Yoda! Wenn Sie nicht aufgeben, müssen Sie vernichtet werden. Die amerikanischen Streitkräfte greifen ohne Rücksicht auf Verluste an, um diese Männer zu befreien. Wenn ihnen der Durchbruch in die Argonne gelingt, ist das eine Katastrophe für uns. Wir benötigen Spezialeinheiten. Die Stoßtruppen. Sie werden Ihre Stoßtruppen erhalten, Major. On a récupéré les bandages des morts pour pouvoir soigner les blessés, monsieur. Celui-ci fera l'affaire, il n'a été utilisé que d'un seul côté. Est-ce que vous pourriez me trouver une cigarette, sergent? Je fume aussi. J'adorerais fumer une clope, mais pour en trouver, il va falloir que je dépouille les morts, il n'en est pas question. Entre nous, je ne vois pas à quoi ça sert de se sacrifier pour ça. Je vous interdis de parler de cette façon, sergent. Monsieur? J'étais avec Black Jack Pershing quand nous avons poursuivi Pancho Villa sans relâche jusqu'à Peral. Vous êtes un bon officier, commandant, mais vous êtes différent. D'une certaine façon, vous êtes comme ces hommes. Ce n'est pas votre destin, votre vraie vie est ailleurs. Vous avez toujours été honnête avec nous, commandant. Vous pensez vraiment que ça vaut la peine de rester ici, de tenir bon pour ça? Pour des hommes comme le général Alexander, c'est une manière de vivre. Ils ne réalisent pas que le monde tel qu'on le conçoit est complètement chamboulé et voué à disparaître. Vous pensez que nos gars pourront reprendre des activités normales après ce qu'ils auront vécu ici? Si on tient bon, nous pourrons peut-être accélérer la fin de la guerre. Je ferais bien d'aller voir les hommes, monsieur. Je crois qu'on est là pour un bon bout de temps. Le général veut que toutes les batteries de canons ouvrent le feu sur ses coordonnées en couverture du commandant Whitlesey. Avez-vous confirmé les coordonnées de tir? Deux fois. Canonnier! Canonnier! Préparez à tirer! Feu! 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 Boutonnez-vous! Lieutenant, je pourrais aller voir sur le cadavre des Boches si je trouve à manger. Gardez votre position. J'enverrai une estafette au Ritz pour un steak purée. N'oubliez pas la note, lieutenant. Je leur dirai de la brûler dans un soin à charbon parce que c'est vous. Je parie sur son renfort. Ils arrivent par derrière. Ce sont nos gars, des compatriotes. Par ici. Allez-y, les gars. Ça vient derrière. Hurrah!
appuie pour mettre les blessés en sécurité. Dépêchez-vous! Bouchez-vous! Couche-toi! Qu'est-ce que tu fais? T'es dingue! Couche-toi! Reviens, bon Dieu! Dis-leur d'arrêter cette boucherie, cher ami. Tu vas y arriver. Prenez vos positions, les gars. Restez vigilants, sinon ces salauds sont capables de nous prendre à revers. Lieutenant, avec moi! Hé, hey, qu'est-ce qui t'arrive, mon joli? Colonel, un message! Lisez-le. Notre barrage d'artillerie est trop court, il nous tombe directement dessus. Pour l'amour du ciel, arrêtez tout. Whitlesey. Whitlesey? Cessez le feu! Cessez le feu! Et passez-moi l'artillerie! Cessez le feu! C'est un ordre! C'est un ordre! Cessez le feu! Cessez le feu! On tire sur nos hommes! Attention! Feu! Feu! Cessez le feu! Cessez le feu! Arrêtez de tirer! Arrêtez de tirer! Et un autre! On y va! Thank you.
position. Donnez la position. Donnez la position. Warum haben die Amerikaner nicht aufgegeben, doch eingekesselt sind? Ich weiß es nicht. Ich habe die Ausrüstung ihrer Toten untersucht. Sie hatten kein Wasser, kein Essen. Einer von ihnen hatte gerade noch 3 Patronen, ein anderer gar keine. Sie haben keine Munition mehr. Eigentlich müsste dieser Kampf vorbei sein. Ich fürchte, solange sie sich inmitten unserer Linien befinden, werden die Amerikaner und die Franzosen weiterhin angreifen. Vernichten Sie die Truppe vor ihnen, sodass wir diesen Wahnsinn beenden können. Commandant, est-ce que vous pourriez me lire la Bible, s'il vous plaît? En toi, ô Seigneur, je mets ma confiance. Ne me laisse pas être en proie à la confusion. Délivre-moi dans ta droiture et aide-moi à partir en paix. Accorde-moi une veille bienveillante et sauve-moi. Délivre-moi, car tu es ma vérité, car tu es... Monsieur, monsieur, venez vous asseoir ici. Comment ça va? Ah, c'est juste une écorchure. J'ai fait bouillir de l'eau. Tenez. Merci. De rien. Le capitaine McMurtry m'a dit que vous étiez avocat avant la guerre. Oui, c'est vrai. J'étais avocat d'affaires, spécialisé dans les contrats et les règlements. Vous savez, commandant, des gens comme McMurtry et moi, nous sommes militaires de profession. Si on n'était pas ici, on serait dans un autre endroit. Mais vous, vous auriez pu vous faire affecter au service du général Alexander. Je ne pense pas que j'aurais apprécié de travailler pour ce monsieur. Vous pensez qu'on ne devrait pas être ici? Non. Si c'est ce que vous pensez vraiment, pourquoi êtes-vous là? La vie serait tellement plus simple si l'on pouvait choisir nos devoirs et nos obligations. Mais on ne peut pas. On n'a pas le droit. C'est pour ça que je suis ici. Lieutenant, je suis le commandant Prince. Puis-je vous offrir à dîner? Nous avons un délicieux ragoût. Non, merci. J'ai tellement mangé à midi que je... j'ai l'estomac plein. Dans ce cas, vous prendrez bien un café. Cigarette? C'est mauvais pour la santé. J'ai vécu 7 ans dans votre pays. Je dois admettre que je préfère votre tabac. On en a beaucoup. Revenez chez nous, c'est moi qui aurai le plaisir de vous inviter. En somme, vous ne manquez ni de vivres ni de tabac. On est obligé de faire un peu de rationnement. Mais il y a largement ce qu'il faut pour 1400 hommes. Décidément, les Américains, vous avez toujours très largement de tout. Peu importe. Tôt ou tard, il va falloir vous rendre. Je ne pense pas. Vous, les officiers, vous êtes tellement durs. Vous êtes encerclés. Vous n'avez aucune chance de relève. Vous envoyez des patrouilles toutes les nuits, et toutes les nuits, nous les tuons. Nous entendons les pleurs et les gémissements de vos blessés, lieutenant. Il n'y a aucun déshonneur à se rendre. Parlez pour vous. Mais mes gars sont différents. Que voulez-vous dire? Vous n'avez pas affaire à des soldats normaux. Mais à une bande d'Irlandais, de Polaques, une bande de gangsters Rital et juifs de la ville de New York. Ils ne se rendront jamais. Jamais. Qu'ils sont quelque part près du moulin. Il faut qu'on les retrouve. Quand je pense qu'ils ont tiré sur ces pauvres gars hier, avec nos propres canons. On va les retrouver.
C'est trop tard. C'est pas trop tard. Pourquoi tu voudrais que je partage avec toi? Parce que j'ai tué le gars à qui tu l'as volé. C'est qu'un détail. À partir de maintenant, je te parle plus. Hé, hey, Yoder, c'est quoi la vie à trifouiller les oies? Big Fork. Qu'est-ce qu'on fait le samedi soir? Des tas de choses. Sauf qu'on rentre pas trop tard, parce que le lendemain, on va à la messe. Et qu'on se réunit après la d'accord, messe. D'accord, et le vendredi soir? Le vendredi soir? À part ça, en quoi consistent les distractions? Et comment ça se fait que personne m'appelle Bob? Qui c'est, Bob? Voyons, Bob, c'est lui, espèce de contre-ital. Tu sais pas qu'on a un prénom avant le nom? Ton prénom à toi, c'est deuxième classe. Tu seras toujours à deuxième classe, Rosanne. Tu seras jamais caporal-chef. Je rêve que d'une chose, retourner à la vie civile. Parfois, on peut faire du camping. Comment ça se fait que chaque fois qu'on est à côté d'un cueilleur de pommes, il nous parle de camping? En quoi ça consiste exactement de faire du camping? On dort à la belle étoile. On fait la cuisine sur un feu. Vous portez les mêmes fringues tous les jours et vous vous faites bouffer par les moustiques? C'est ça qui est drôle. T'as entendu ça, Rosanne? C'est fou ce qu'on se marre. Ah. Moi, je me marre pas du tout. C'est bien toi avec ton esprit étroit. Tu n'arriveras jamais à rien et tu feras de la peine à ta sainte mère. Ça, c'est la vérité. Hé, hey, Yoder. File ton gobelet. Dépêche-toi. Tiens, gamin, remplis-toi la panse. Merci. Capitaine. Monsieur. Récupérez ce que vous pouvez. Oui, monsieur. Soldats, passez le mot. Recouvrez-les pour l'instant et allez vous reposer. Wissen Sie, wo wir sind? Dann wissen Sie auch, wo Ihre Leute sind. C'est un avion de son nom. Sie gesichtet. Leg an! Descendez! Trouvez un trou et restez-y! Quelque chose. On a leur position. Écoutez-moi. La division essaie de se frayer un passage jusqu'à nous. Il faut qu'on leur fasse connaître notre position exacte. Pour ce faire, nous avons envoyé des estafettes toutes les nuits. Mais soit elles se sont perdues, soit elles se sont fait tuer. Alors, avec cette pluie, ce serait la couverture idéale. Je demande s'il y a des volontaires. Moi, j'y vais.
dire que j'étais sur le point d'y arriver juste avant cette foutue guerre. J'étais sur le point de décrocher un boulot d'aviateur d'immeuble, autrement dit, garçon d'ascenseur. Il fallait que j'améliore mon élocution pour avoir cet emploi. On monte, ascenseur 3. Bonjour, bonsoir. J'aurais été en contact avec des dames et des messieurs. J'aurais porté un vrai uniforme avec des épaulettes et des bandes dorées le long du pantalon. J'aurais eu les mains propres et j'aurais pas eu mal au dos comme ces pauvres juifs qui tirent des carrioles dans la rue. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais ça, bien sûr. Tu crois que ce boulot va m'attendre jusqu'à mon retour ? Je serais condamné à pousser des carrioles dans les rues de New York comme tous ces juifs. De toute façon, on n'arrivera jamais à rattraper le temps perdu. Tu n'as qu'à venir dans le Montana avec moi après tout ça. Et je m'occuperai de toi. Tu plaisantes, je suis jamais monté sur un cheval de ma vie. Alors je te ferai monter sur un cheval qui n'aura jamais été monté. Tu ferais ça pour moi, cowboy ? Je suis jamais monté dans un ascenseur. Mais où est-ce que l'armée trouve des types comme toi ? Je me suis engagé. Oh mec, tu t'es engagé ? Quoi ? Quoi ? Moi aussi. Tu t'es engagé pour ça ? Avoue qu'il faut être bête. Capitaine, je veux que vous fouilliez les morts allemands. Et que vous essayiez de récupérer de la nourriture pour nos blessés. Oui, capitaine. Je voudrais que vous remettiez ce message de ma part à votre commandant. Je ne sais pas si je peux faire ça, monsieur. Vous préférez rester prisonnier ? Non, monsieur. Tout d'abord, je me fais attraper par vos gars et maintenant je vais porter un message. J'ai plutôt l'impression d'être un espion. Non. Vous et vos compagnons d'armes, je vous trouve très courageux. J'envie votre commandant d'avoir des hommes tels que vous. Regardez dehors. Je veux juste sauver des vies. Oui, monsieur. Commandant! Ne tirez pas. Ne tirez pas, ne tirez pas. Au revoir, mon vieux. Au revoir, camarade. J'ai un message de la part d'Hitler, monsieur.
Comment vous ont-ils traité? Bien, monsieur. Ils m'ont fait un pansement et ils m'ont donné à manger. Avez-vous des nouvelles du lieutenant Lake? Ils l'ont fait prisonnier, mais il va bien. Tant mieux. Allez vous reposer, soldat. Merci, monsieur. Je prends une arme. Il écrit que le soldat Lynx aide à honorer sa patrie en refusant de répondre aux questions de l'officier des services secrets allemands. On peut entendre les souffrances de vos blessés des lignes allemandes. Nous en appelons à vos sentiments humains pour que vous vous rendiez, dans la mesure où il serait inutile de résister plus longtemps, au regard des conditions actuelles. Signé commandant Prince. Vous savez quoi? Nous les avons laminés. Autrement, ils n'auraient jamais envoyé ça. Qu'est-ce qu'on va leur répondre, commandant? Excellent officier. Il est du Texas. Nous avons perdu plus de 60 hommes aujourd'hui, sous notre propre feu. Il nous reste un peu moins de 200 hommes. Je ne sais pas comment ils tiennent. Ne les sous-estimez pas, capitaine. Il y a deux jours, nous avions un Chinois qui s'occupait de notre réseau de transmission, et comme estafette, un Indien américain. Ils sont morts tous les deux, mais là n'est pas la question. Ces Italiens, ces Irlandais, ces Juifs et ces Polonais ne m'auraient jamais engagé comme avocat, pour la bonne raison qu'on ne se serait jamais rencontrés. Mais plus jamais dans nos vies, nous n'apprécierons la compagnie de ces merveilleux soldats, de ces merveilleuses personnes autant que cette nuit. Commandant, j'ai fait partie des troupes de choc de Teddy Roosevelt. Et je n'ai jamais servi sous les ordres d'un officier comme vous. Savez-vous que vos hommes feraient n'importe quoi? Ils iraient n'importe où pour vous. Merci, George. Repliez-vous!
ça va? Oui, ça va. Gangster new-yorkais. Alors, Lorital, je croyais que t'étais vraiment blessé. Rosen, c'est la chance de ma vie. Je vais aller dans un joli hôpital avec des infirmières. On t'a pas dit que j'avais un charme fou? Tel que je te connais, tu trouveras bien moyen pour te gâcher. T'as raison, mon vieux. Positionnez-vous sur le flanc droit avec vos hommes. Inquiète, tenez votre position ici. Whitley, il y aura de l'avancement et des décorations pour tout le monde. Pas étonnant que nos avions n'aient pas pu trouver cet endroit. En tout cas, notre artillerie a bien su le trouver, Général. Où est le reste de votre bataillon? Pour le sergent Gedeki, nous n'étions pas assez nombreux pour les enterrer tous. Pour la section du lieutenant Shack, ils sont quelque part par là. Je lui avais demandé de rejoindre les Français qui étaient soi-disant sur notre flanc, Général. Ces pertes sont tout à fait acceptables. Pas pour moi, monsieur. Je comprends ce que vous ressentez pour vos hommes. Vous nous avez dit que nos flancs étaient protégés, et vous avez demandé à mes hommes d'attaquer. Vous avez également dit que le ravitaillement allait arriver alors que c'était faux. Est-ce que c'est acceptable pour vous? Oui, c'est tout à fait acceptable pour moi. Nous avons été en mesure de faire une percée des lignes allemandes parce que vous étiez là, parce que vous avez tenu bon et parce que vous avez été leur bête noire. Commandant, vous avez fait un travail incroyable ici.
Vous n'aviez que 600 hommes à charge, alors que moi j'en avais 20 000 à ma disposition. Il faudra que je vive avec ça. J'envoie des camions pour amener vos hommes. Ils ont vécu l'enfer. Vous n'imaginez pas ce par quoi ils sont passés, ni ce qu'ils sont capables ou incapables de faire. Ils sont beaucoup mieux que vous, Général. Beaucoup mieux que moi. Et ils le sont toujours. Permettez que je vous ramène, vous et vos officiers, dans ma voiture. C'est tout à fait inacceptable, monsieur. Je resterai auprès de mes hommes. Je vous comprends. Messieurs, on lève le camp. Thank you.